What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. Et je vais essayer, attention, avant de tout regarder la vidéo, d'être le plus rapide possible, parce que c'est le plus important. Je pense que vous voulez pas squatter la vidéo pendant une heure. Le plus rapide, le plus efficace et le plus compréhensible possible. Ce qui est très compliqué de ma part, parce que je prends du temps souvent et puis à m'exprimer, des fois j'ai un peu du mal. Bref, comme indique le titre, je vais donc mettre à chaque mois donc de l'argent pour des associations, du style par exemple Action contre la faim, ou des autres associations qui sont dans d'autres domaines. Je choisirai chaque mois des associations, ou vous pouvez d'ailleurs m'en choisir, m'en donner par exemple des liens sur Facebook. Tiens, regarde. Par contre, il faut vraiment que ce soit un truc officiel, enfin voilà, quelque chose de fiable. Hein. Je vais envoyer de l'argent, pas à une entreprise qui se met de l'argent dans les poches, des trucs comme ça. Bref, à une entreprise, voilà, qui est reconnue. Je sais pas du tout comment ça marche, mais en tout cas par l'État, vous comprenez un peu tout ça. Oui, je sais, j'ai un star là, super moche sur mon nez. Je sais pas pourquoi. Enfin, il est petit d'ailleurs, mais sur la vidéo, ça fait un petit point rouge parce que j'ai la lumière qui passe juste devant moi, donc ça fait bizarre. Excusez-moi du chat. Voilà, je suis désolé. Bref, donc comme je l'ai dit, je vais essayer d'être le plus rapide et efficace. Vous savez tous que je gagne de l'argent sur YouTube. On est d'accord? Ouais, j'en gagne de l'argent. Bon, il y en a qui vont dire des choses où tu gagnes, mais sans raison. Bref, on n'est pas dans ce débat-là. On s'en fout. C'est qu'est-ce que je vais en faire de cet argent-là. Alors, donc combien je gagne environ par mois? Je vais vous le dire comme ça, cash, parce que moi j'ai rien à cacher. Franchement, mon contrat, tout ça, moi en plus je leur parle souvent. J'ai rien à cacher. Et puis je sais ce que je dois dire, tout ça. Je peux pas vous dire un chiffre exact, et puis c'est ridicule parce que chaque mois le prix varie. Enfin, le prix, le salaire varie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le prix, n'importe quoi. Le tarif varie, c'est à dire que non, mais je dis n'importe quoi. Bref, en gros, mon revenu varie, c'est à dire que forcément, on fait pas les mêmes nombres de vues par mois que enfin, tous les mois, on fait pas le même nombre de vues, on fait pas 1 500 000 vues par mois. Enfin, tout le monde ne fait pas ça. Déjà, ça serait bien. Honnêtement, si j'arrivais à faire ça, ça serait bien. Bref, donc en gros, on gagne, on va dire, 1 euro par 1000 vues. En gros, semblablement, enfin voilà, en moyenne, c'est 1 euro les 1000 vues. Moi, d'ailleurs, c'est un peu moins, c'est 80 centimes. Mais parce que j'ai des licences supplémentaires, c'est-à-dire que je peux mettre tout ce que je veux sur YouTube. Normalement, je devrais avoir aucun problème sur YouTube. Voilà, c'est mon contrat. Il est un peu plus épais au niveau des licences. Par contre, il est plus, je gagne un peu moins d'argent que les autres YouTubeurs, comme voilà, d'autres qui gagnent 1,50€ facilement. Alors que moi, c'est 80 centimes, on s'en bat les couilles un peu. Parce que je produis environ, je sais pas du tout comme ça, mais je crois que ça varie entre 700 à 900 000 vues par mois. C'est-à-dire qu'en gros, je gagne, si on fait les prix comme ça, on va dire sympathiquement, on va dire si je fais 900 000 vues par mois, on va dire que je gagne 700 euros. Voilà, ça varie vraiment des mois, mais voilà, en tout cas, je gagne quand même une belle somme d'argent, on est d'accord. Et d'ailleurs, tout ça, c'est grâce à vous. Finalement, c'est grâce à YouTube. Et ça, j'ai pris du temps à comprendre, pas que c'est grâce à vous, mais j'ai pris du temps à comprendre dans la vie que finalement, l'argent, faut pas le garder pour soi-même et il faut finalement le donner, vous savez. Faire plaisir aux autres, ça te fera encore plus plaisir que si tu garderais l'argent. Je sais pas si vous comprenez cette phrase là, mais c'est quelque chose que j'ai compris moi personnellement dans la vie, tous les jours avec ma copine, des trucs comme ça, voilà, j'apprends des choses. Et j'ai eu cette idée là finalement de donner de l'argent à des associations. Donc pour l'instant j'ai rien fait, pour l'instant c'est sûr, je commence le mois prochain, je ferai une autre vidéo pour vous en parler encore. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important à savoir, c'est que ça sera 5 à 10% de mon salaire, sachant que j'ai 20% de taxes. Oui, je sais, la France aime bien prendre de l'argent sur mon salaire, ce qui est normal aussi. Je suis d'accord, on est déclaré auto-entrepreneur, bref, blablabla, blablabla. Voilà, bon bref, 5 à 10% donc sera envoyé envers une association. Chaque mois, je ferai une vidéo pour vous montrer bel et bien que j'envoie la somme d'argent. Je pense d'ailleurs d'ici quelques jours appeler des associations et pour leur demander, je sais pas, pour vous prouver comme quoi je leur ai bien envoyé de l'argent. Ça c'est important pour vous, parce que c'est sûr que vous regardez derrière l'écran et vous êtes pas sûr et vous dites est-ce qu'il nous mytho ou pas. Quand même, si ça serait un mytho, déjà ça serait complètement... Enfin voilà, ça serait dégueulasse de ma part. Mentir envers des associations telles pour leur dire je donne de l'argent pour se donner une bonne image, ce serait dégueulasse et j'espère que vous comprenez quand même que j'envoie vraiment de l'argent. Donc la somme d'argent pour l'instant que je vais envoyer, elle va être de 50 euros par mois. Sachant donc ce que je vais faire,
Puisque ça varie aussi en fonction des nombres d'abonnés. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis entre 50 000 à 100 000 abonnés. Et lorsque je... Voilà, donc je vais chaque mois mettre 50 euros à une association que je vais choisir ou que vous pouvez m'aider à choisir aussi à mettre envers l'association, tout ça. Bien sûr, chaque mois, je ferai une vidéo pour vous montrer bel et bien que j'envoie l'argent. Je suis d'accord avec vous. Et puis, en même temps, aussi, vous inciter aussi, pourquoi pas vous-même à aussi mettre un peu d'argent. Peut-être pas forcément 50 euros, mais 5 euros, 10 euros. J'ai des trucs aussi à vous dire et puis j'aurai terminé la vidéo. J'essaie d'être rapide et efficace comme je vous l'ai dit. Lorsque j'aurai par exemple 100 000 abonnés, je mettrai 100 euros par mois. C'est-à-dire qu'en fait, je le regarde un peu comme le nombre d'abonnés. 150 000 abonnés, ça sera 150 euros. Ce qui varie aussi en fonction du nombre de vues, normalement. Hein. C'est un peu un équilibre. Et si vraiment un mois, je gagne vraiment beaucoup d'argent, tout ça, j'augmenterai. Voilà, ça sera vraiment proportionnel en fonction de ce que je gagne moi. Voilà, donc ça sera pas quelque chose de dégueulasse. C'est-à-dire que ça sera minimum pour l'instant à 50 euros par mois. Ce qui veut dire quand même 600 euros l'année. Hein. Si on fait en un an, 50 euros par mois, ça fait 600 euros dans une année pour une association. Alors déjà, maintenant, j'ai terminé cette vidéo avec deux raisons pourquoi je fais ça. Premièrement, non, c'est pas pour avoir une belle image. Alors premièrement, comme je vous l'ai dit, l'argent que je gagne, c'est grâce à YouTube. Si j'aurais pas fait YouTube, si j'aurais pas eu ce tel succès, je sais que ça demandait du travail, mais j'aurais pas pu gagner cette somme d'argent là chaque mois. Voilà, je vous le dis cash. Et franchement, bah j'avais pas pensé, mais là je viens d'y penser, ça date de 2 jours exactement. Et ça me trotte dans la tête. Et puis je me dis, franchement, Christo, tu vas pas faire le radin, tu gagnes 600 à 900 euros par mois. C'est bon, on fait pas le radin, tu peux au moins mettre 50 euros. Enfin, non, je suis d'accord. Peut-être qu'il y en a qui vont croire que c'est pour donner une mauvaise image. Mais je peux me dire, c'est bon, tu mets au moins 50 euros. Alors pourquoi je fais une vidéo pour vous le dire? Parce que normalement, pas censé de le dire, si t'es une bonne personne, t'es pas censé de dire oui, moi je donne de l'argent pour une association. Non, t'es pas forcément une bonne personne, voilà, qui est humble, tout ça, ne va pas le dire. Mais sauf que moi j'ai un rôle plutôt spécial, y a pas que moi, y a d'autres youtubeurs. J'ai un rôle à laquelle j'ai une audience. Et le fait de le montrer à l'audience, ça peut donner une image, entre guillemets. Peut-être des personnes, je sais pas, vont essayer de faire comme moi. Ils vont, voilà, donner, même si c'est 5 euros, 10 euros, ils vont essayer de faire ce genre de choses. Peut-être ça peut avancer. C'est pour ça que je le fais. Si j'aurais eu 10 abonnés, je l'aurais jamais fait cette vidéo parce que ça n'a aucun intérêt et en plus, je gagnerais même pas cette somme d'argent-là. Voilà, donc c'est quelque chose d'important pour vous que vous sachiez. Donc ça, c'est vraiment ma première raison. Et ma deuxième raison, eh bien, figurez-vous que je viens de l'oublier. Sachez aussi que j'aime bien pas de partager la vidéo, vous faites ce que vous voulez, moi honnêtement je m'en fous complètement. C'est juste le fait d'en parler à d'autres youtubeurs. C'est-à-dire que moi personnellement ça serait bien que vous parliez à d'autres youtubeurs, que ce soit, je sais pas, franchement je m'en fous. Non mais je sais pas, des gens connus ou qui sont pas connus, qui voilà touchent environ 400 000 vues par mois, ce qui veut dire environ 400 euros, 300 euros par mois, à laquelle ils pourront mettre peut-être 5 à 10% de leur salaire dans une association. Vous savez que si tout le monde fait ce genre de choses sur YouTube, je sais que bon, les youtubeurs c'est pas eux qui gagnent le plus d'argent aussi au monde, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, si chaque personne ferait ça, 5 à 10%, on se rendrait compte, mon ordinateur fait un bruit bizarre. Ah, c'est le sèche-cheveux de la voisine, d'accord. On se rendrait compte que 5 à 10% finalement ça peut faire beaucoup. Donc voilà, donc c'est à peu près tout dans cette vidéo là. Je commencerai là le mois prochain, l'année prochaine, putain. Mais n'importe quoi, mais l'année prochaine, non je rigole. Le mois prochain, à laquelle donc là d'ici quelques semaines il y aura une autre vidéo pour vous parler. Je vais essayer de parler là des associations pour vous montrer déjà comme quoi bah je rigole pas. Enfin c'est pas une connerie, une blague. Je mettrai ça complètement officiel, enfin bref voilà. Vous m'avez compris. Et vraiment, je pense que ça peut être une très bonne chose de faire ça. Et c'est quelque chose que j'ai appris. Et d'ailleurs, en ce moment, je reviens un peu en force, un peu entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je fais mes vidéos maintenant, tout ça, c'est propre. Après, il y en a qui aiment pas, bah vous aimez pas. Et puis, il y en a qui aiment, bah il y en a qui aiment. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé pour vous. Si ça vous plaît pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo-là. Pour l'instant, là, j'ai rien à vous dire. Vous pouvez partager les commentaires. Enfin, vous pouvez partager vos commentaires dans la barre des commentaires. Ça va rien dire, enfin ça veut dire, mais c'est pas très compréhensif. Cette vidéo a duré 9 minutes, donc c'est plutôt, ça va, c'est pas une vidéo de 20 minutes, donc c'est plutôt faisable pour à regarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous faites comme vous voulez, je vais pas insinuer à mettre un pouce bleu là cette fois ou à suivre ma page Facebook. Vous faites exactement comme vous voulez, si le concept vous plaît, eh bien écoutez, c'est super. On va aller sur cette ligne droite, c'est-à-dire 50 euros par mois. Et puis quand j'aurai un peu plus d'abonnés, bah, ça sera 100 euros, 150 euros. Et lorsque j'aurai 1 million d'abonnés, bon, faut vraiment
que je persévère sur YouTube, c'est-à-dire que dans 3-4 ans, eh bien, ça sera 1000 euros par mois. Vous rendez-vous compte quand même de la somme, ça peut aller jusqu'à 12 000. Enfin, voilà, c'est quand même important. Et si d'autres YouTubeurs vont faire ce genre de choses, en espérant que c'est pas juste pour rapporter une bonne image, eh bien, ça peut aller loin. Voilà. Donc, malgré toutes les critiques que j'ai pu avoir envers l'argent, c'est facile de critiquer les gens envers l'argent, c'est sûr. C'est facile de critiquer. Malgré tout ça, je contribue, en tout cas, lorsque vous regardez une de mes pubs, dites-vous qu'il y a 5 à 10% de cet argent-là, qui va être, je crois que c'est 7,50% qui sera contribué, en fait, à une association. Et j'essaierai de vous montrer comme quoi c'est bien officiel, tout ça. Il y a bien une transaction qui a été faite. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous dirai pas plus. Une vidéo de 10 minutes, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et ce bruit est vraiment lassant. J'espère que ça va fermer un peu, que ça va un peu arrêter, surtout le sèche-cheveux à 21h. C'est un peu saoulant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié un truc? Non, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine, en espérant que ce concept-là, il fonctionnera. En fonction de vous, de vos avis. À mon avis, tout le monde devrait dire oui, j'espère. Et puis on se retrouve, et bah demain, je peux, ouais, demain, forcément. Je viens de penser à un truc en buvant de l'eau, bref, peace out. Au passage, juste petite info pour vous, alors honnêtement, moi je vais vous répondre cash, je m'en balèque un peu, mais juste pour vous prévenir, comme quoi, bah, il y en a qui pourront me dire, cela j'ai vu des commentaires sur Facebook, comme quoi ils disent, ouais, t'as recopié Squeezie ou je sais pas quoi. Bon, déjà, l'acte est bon, on s'en fout un peu aussi, mais bon, bref. Juste pour vous dire, c'est pas Squeezie, hein, c'était une femme en fait qui fait des podcasts, et j'ai vu, elle a dit comme quoi, au lieu de faire le jeu sur la taille ou je sais pas quoi, là, sur les, vous savez, la boire sur Facebook, tout ça, des défis, elle a dit, il y a un pote à moi qui a fait un défi, enfin, voilà, qui a dit comme quoi, au lieu de faire ça, bah, participer à un don, il l'a affiché. C'était ça en fait, voilà, donc ça c'est ma petite parenthèse pour vous dire en fait d'où provient aussi cette idée là. J'avais vu cette vidéo là, et puis j'en ai parlé à des potes, en fait, je viens de m'en rappeler maintenant, à laquelle ils ont dit, bah, que c'était une super bonne idée, et puis là je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas le faire. Voilà, ma petite parenthèse de Christo. Je vous laisse sur une très bonne soirée, très bonne journée, tout ça, en espérant que ce thème là, enfin ce concept vous plaira, et surtout j'espère que vous aussi vous allez contribuer à certaines choses. En tout cas, rendez-vous d'ici, je pense, 2 semaines, et puis voir dans un mois pour enfin payer tout ça. On va faire la fête, on va boire un coup, et puis on va payer là, on va payer. Je vous déconne, on va prendre avec le sourire, parce que malgré tout ça, je sais qu'il y a des problèmes un peu partout dans le monde, mais il faut le prendre avec le sourire. Même, voilà, parce que je vous donne quand même un peu d'argent, tout ça. Et puis voilà, faut être heureux dans la vie, même si je sais, c'est un peu des catastrophes un peu partout ailleurs. Voilà, excusez-moi à peu près de ce petit dérangement. A bientôt. Non, je dirais bye tout le monde, comme d'habitude, bye tout le monde.